D'un côté, la Seine, de l'autre, la forêt de Saint-Germain. La ville semble idéalement située. Je passe devant l'hôtel de ville, dont le charme est resté intact depuis son inauguration en 1891. De part et d'autre de l'avenue Longueuil, que certains appellent les Champs-Élysées de Maison Lafitte, les commerces et les nombreux piétons animent la zone principale du centre-ville. Je suis déjà séduite. Puis se profile l'entrée du parc de Maison Lafitte. Je décide de m'y aventurer. Je remonte la mue Aiglée et m'arrête sur la place du château. Sur ma droite, je ne peux qu'admirer le somptueux château de maison qui apparaît au bout de l'avenue. Je poursuis mon chemin et continue de découvrir un espace absolument unique où les riverains cohabitent en harmonie avec les chevaux.